Bah, attends que tout le monde se connecte, voilà. Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Salut Sylvie, hello. Bonjour. Alors attendez, on va attendre que tout le monde s'en vienne. Je suis en train de faire le grand ménage d'été pour moi et j'ai retrouvé ce livre-là. Salut Martine. J'ai retrouvé ce livre-là que j'avais vraiment adoré. Un livre pour enfants, mais un livre qui s'adresse beaucoup, je trouve, à nous aussi, les tricoteuses. Regardez pourquoi. Ça s'appelle Le Tricot. Ça s'appelle Le Tricot de Jack Goldstein. Merci beaucoup. Ça s'appelle Le Tricot de Jack Goldstein, des éditions La Pastèque, qui sont une édition montréalaise. Donc, je ne sais pas, les Français, si vous pouvez avoir accès à cette édition. Salut, Angèle. Donc, je ne sais pas si vous pouvez avoir accès à cette édition, mais alors, vraiment, vraiment, j'adore ce livre. Il parle vraiment, quelque part, de l'âme même du tricot. Donc, je ne vais pas vous le lire, bien sûr, mais juste, je vais vous tourner quelques pages que vous compreniez. Et peut-être pour celles qui ont des enfants ou des petits-enfants ou juste qui ont envie de l'offrir, ça va être un petit cadeau pour les anniversaires ou qu'importe. Mais voilà. Ça raconte en fait l'histoire d'une petite fille qui raconte sa grand-mère Léa qui a toujours tricoté. Et donc évidemment qui tricotait voilà, plein plein de choses et qui, ben voilà, qui raconte son enfance. Elle disait, ben voilà, ma grand-mère, elle a eu une tralée d'enfants qui l'occupait toute la journée, mais le soir c'était sa passion, elle tricotait vraiment magnifiquement bien, elle tricotait pour tout le monde. Et elle raconte à sa petite fille que à son époque, eh bien, on détricotait beaucoup, on n'achetait pas forcément de la laine, mais un jour sa mère, elle a apporté une vieille pile de tricots usés et elle lui a demandé de tous les détricoter pour qu'elle puisse retricoter après des choses. Voilà, donc elle explique que les vieux tricots, eh bien, on les détricotait, on récupérait la laine et c'est comme ça qu'elle avait tricoté son premier foulard. Et voilà, et tout le monde du village lui a montré comment tricoter. Puis elle a attrapé la piqûre comme ça, elle tricotait jour et nuit. Et elle a commencé à... Et voilà, et la grand-mère lui sort le premier foulard qu'elle a fait, un foulard bariolé et un peu moche, dont elle était très fière. Mais surtout, elle raconte que chaque partie de ce foulard... lui rappelle des moments importants puisque ça vient de différents instants. Voilà, donc tous ces petits morceaux de laine qui sont reliés en fait à des morceaux de son histoire. Elle parle même, voilà, au Québec, un célèbre gardien de but au hockey, Jacques Plante, qui tricotait lui-même. Donc voilà, elle raconte un peu toute cette histoire-là et elle va l'offrir à sa petite fille. Et je vais pas vous... Voilà, elle va l'offrir à sa petite fille qui malheureusement s'accroche dedans et le foulard se défait. Voilà, le foulard se défait. Et je vais vous laisser évidemment découvrir la suite. Mais voilà, j'aime beaucoup ce livre. Il s'appelle Le Tricot de Jack Goldstein aux éditions de La Pastèque. Je trouve que c'était vraiment une belle chose à vous partager ce matin, si vous pouvez mettre la main dessus, puisque La Pastèque, eh bien, c'est une édition québécoise à Montréal. Voilà, voilà. Ce matin, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, je vais vous montrer comment on va faire de la mosaïque. La mosaïque, c'est vraiment facile. Ça va juste vous demander de la concentration. Mais à part ça, on ne va pas tricoter avec deux couleurs par rang. On va vraiment tricoter à une seule couleur. Et c'est le fait de faire des mailles glissées qui vont faire apparaître le motif. Donc, moi, j'ai fait toute ma charte de mosaïque. Là, ça se replie un peu là-dessus. Voilà, j'ai terminé la charte de mosaïque. Voilà, voilà. Ça fait... j'en suis très contente. J'aime beaucoup. Ça donne ce petit côté bûcheron, justement, que je voulais avoir avec ma laine. Donc, je vais vous montrer ça. Et puis, je vais vous parler aussi de mon projet un petit peu fou que j'ai mis en place cette semaine qui s'appelle le Marathon Tricot. Et oui, ben, je pense que maintenant, pour la plupart, vous savez que je pars à Bali du 27 juillet au 1er septembre avec Chloé. Une partie pour me reposer, une autre partie, on va faire un beau documentaire jour après jour à Bali
pour vous faire voyager, vous faire rencontrer des artisans là-bas. Et donc, j'avais envie de faire un dernier cours où je suis vraiment présente avec vous. Donc le marathon tricot, ça va être quoi? Ça va être du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet, donc 5 jours d'affilée de cours pour faire la petite camisole de Sari Nordland qui s'appelle le Ciao Bella. Alors, j'ai pas réussi à partager mon écran, alors je me suis dit, bon, c'est pas trop grave, je vais juste vous montrer comme ça ce que j'aimerais faire avec vous. Voilà, donc c'est la petite camisole de Sari Nordland qui s'appelle le Ciao Bella Camille. Si vous voulez participer, n'achetez pas le patron tout de suite. Elle va donner un coupon de réduction pour le patron. On est en train de se parler. Elle va me donner ça dans les jours qui viennent. Voilà, donc j'avais envie de me le rajouter dans les valises. Et je me suis dit, ben, si j'ai envie de le faire, va falloir que je le fasse rapidement. Et vous allez être ma motivation. On va se faire ça en une semaine. Là, dans la valise, oui, je vais ramener mon nouveau ranunculus que j'ai fait avec la Antigone, avec le 100% lin Antigone de Dererum Natura. Donc voilà, j'en suis très très contente. Regardez le lin comme ça bouge, ça danse. J'adore cette fibre. C'est vraiment une fibre à part entière qui a vraiment son caractère. Donc vous pouvez aller voir sur le site, je l'ai mis sur la page du site, ça s'appelle Marathon Tricot, ça va durer 5 jours, ça va être tous les jours à 5 heures, l'heure de l'apéro, avec un petit verre de sangria, pas trop parce que sinon l'échantillon va un petit peu bifurquer, hein. Il y a un adage en anglais qui dit « après after my third glass of wine, my gauge is not so fine ». Donc l'explication, c'est après le troisième verre de vin, mon échantillon n'est plus tout à fait correct, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais proposer comme laine? Alors j'ai tout fait, vous allez voir si vous allez sur le site de la Maison Tricotée, j'ai écrit un article de blog sur toutes les propositions de laine. Moi, je vais le faire, vous êtes étonnés par la couleur que j'ai choisie. Eh bien, je suis tellement tombée en amour avec le lin que je vais le faire avec la Studio Linen de Erika Knight. Voilà, donc je vais utiliser la Studio Linen qui est en fait 85% de lin recyclé et 15% de lin vierge. Donc lin recyclé, ça veut dire quoi? C'est les chutes de lin de l'industrie vestimentaire. Donc voilà, donc c'est recyclé. On retrouve ce même côté dansant de la fibre. Donc moi, je vais le faire avec ça. Mais je l'ai aussi évidemment proposé avec la Antigone. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour le ranunculus que je porte, qui va être très beau. Regardez-moi, j'ai pris toutes les couleurs un peu dorées, un peu comme dans le patron. Donc avec la Antigone, je l'ai aussi proposé avec la Cora, qui est mon coton biologique, qui est au poids. Donc ça, c'est super intéressant. Ça, c'est ma petite Cora qui vient justement, j'en ai encore pas mal dans le doré. Doré, voilà. Voilà, j'en ai encore un peu dans le doré. J'en ai dans le petit beige. Et il m'en reste un petit peu aussi dans le rose. Et il y a aussi la fibre Coast. Donc le mélange laine et agneau au poids, vous pouvez doubler, qui est très intéressant économiquement. Mais bref, je vous ai tout mis dans l'article du blog. J'ai fait une page aussi sur le site web. Vraiment, quand vous rentrez sur le site de la Maison Tricotée, c'est annoncé Marathon Tricot. Donc voilà, si vous voulez vous joindre à moi, ça va être du 18 au 22 juillet, donc tous les jours pendant 5 jours pour tricoter cette petite camisole au pas de course. Et ça va être très intéressant. Bien sûr, il y a de la lecture de chartes, il y a du provisional cast on. Enfin, il y a quand même un petit peu de quoi se mettre sous la dent. On va bien s'amuser. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, je reviens sur ce qu'on va regarder aujourd'hui. Mais avant, est-ce qu'il y avait des questions par rapport au tout début? J'ai eu beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup de questions de taille, mais ça, on les a à chaque fois qu'on commence un nouveau projet. C'est quelle taille je choisis?
quelle aisance je choisis pour mon projet. Donc c'est vrai que plus on donne le choix et plus on est perdu, le choix étant une aisance entre 10 et 15 cm par rapport à votre tour de buste. Et là on est là, ben quoi, choisis 10, choisis 15, choisis 20, c'est toujours un petit peu complexe, et c'est pour ça que je dis mesurez une veste que vous aimez, parce que c'est vraiment vous qui allez décider dans quelle aisance vous êtes le plus confortable, sachant que c'est quand même une veste qui est un petit peu une veste d'automne. C'est pas un cardigan, c'est pas un gilet, d'accord? C'est vraiment plutôt une veste d'automne où on va glisser en dessous une chemise, un t-shirt, etc. Donc vous voulez une bonne aisance. Donc vraiment, mesurez une espèce de petite veste que vous avez l'habitude de mettre, ça va vous aider pour déterminer la vraie circonférence. Voilà. Alors Joël, je suis nouvelle de Jonquière. Bah écoute, bon dimanche! Quel est ton prénom? Alors, faut savoir que quand vous interagissez via Facebook, je ne peux pas voir vos prénoms. Je vois seulement Facebook user. Quand je vous interagissez avec YouTube, je le vois. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la première étape, qui était quand même assez simple? C'est un pull qui est vraiment assez simple. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça, ou on attaque directement la lecture de la charte de mosaïque? Non, ça a l'air... Par rapport à ce que j'ai dit tantôt, est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression que tout va bien. Bon, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y, ça va me faire plaisir. Donc, comme je vous disais, la mosaïque, c'est vraiment, mais très très simple. C'est vraiment juste une question de maille glissée. Et on ne travaille qu'avec une seule couleur par rang. Donc, par rapport au jacquard, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus simple. On ne va pas avoir de problème de tension particulier. Ok. Nathalie, j'avais de la guilliade, je devrais faire l'échantillon. Là, on serait tous ensemble autour d'une grande table de pique-nique dans un parc, parce que c'est le temps. Et j'espère que tout le monde dirait « Oui, il faut faire son échantillon !» Salut Marianique du Morbihan. Ok, allez, on va regarder un petit peu plus précisément, donc, comment se passe la suite. Donc, on a fait nos 5 rangs en jersey. Hein, donc, 5 rangs et non pas 10 rangs. J'ai vu que quelqu'un avait fait l'erreur. 5 rangs en jersey. Et on va commencer la partie color work, donc la partie de couleur. Au prochain rang, on est sur un rang en droit. On va joindre, donc si c'est contrasting color, donc on va joindre la couleur qui va contraster. Et on va travailler le rang 1 du motif de chevron. Et on va faire... On va travailler la charte du rang 1 au rang 8 pour un total de 5 fois. Puis ensuite, on va travailler le rang 1 et le rang 2 une seule fois. Donc, on va se rendre sur la charte et on va l'examiner de plus près. Voilà. Donc, voilà notre charte. Donc, en effet, c'est une charte qui a 8 rangs au total. Donc, on va faire rang 1 au rang 8 et on va recommencer 1 à 8, 1 à 8, 1 à 8, 5 fois au total. Et quand on a terminé la cinquième fois, on va simplement faire les rangs 1 et les rangs 2 et ça sera terminé. Ensuite, vous avez vu que dans votre charte, vous avez une ligne un petit peu plus foncée. Là, moi, je l'ai accentuée, vous voyez, avec mes deux petits tuteurs là de chaque côté. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert pour vous rappeler que on va commencer avec la colonne 1 et la colonne 2. Mais après, on va toujours répéter durant de la colonne 3 à la colonne 18 jusqu'à ce qu'il reste une seule maille et on va terminer avec la colonne 19. Donc, attention, le plus gros piège pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire une charte, ça va être de faire quoi? Eh bien, ça va être de tricoter de la colonne 1 à la colonne 19. Allez, je tricote 1 à 19 et je continue. Oups, excusez-moi. Elle est sensible, cette petite tablette, elle est sensible. Allez, on va diminuer
on diminue un peu. Voilà. On diminue. Attendez. Non. Voilà, excusez-moi. Donc, voilà, le gros piège, c'est que vous tricotez 1 à 19, 1 à 19, 1 à 19, jusqu'à la fin de votre rang. Excusez-moi. Et là, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir finir correctement et que votre motif n'est pas correct. Donc, c'est très, très important de comprendre que le motif... il est entre la colonne 3 et la colonne 18. Donc, on répète 3 à 18. Et qu'il y a comme un cadre pour ce motif qui sont les deux premières colonnes au tout début et la dernière colonne à la fin. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est fait expressément pour qu'on ait un piège et que les non-initiés se trompent ? Non, évidemment que non. Ça s'appelle... on se regarde dans les yeux, ça s'appelle des mailles de symétrie. Et oui, afin que le motif s'équilibre, afin qu'il commence toujours joliment et qu'il finisse toujours joliment, eh bien, on a ce qu'on appelle des mailles de symétrie. Donc, à droite et à gauche, on va commencer par comme un petit rebord. Et après, on répète le motif. Donc, si je devais faire un dessin, je vais essayer d'être très, très claire là-dessus parce que c'est tellement une erreur que je vois arriver. Donc, le motif, bon, je vais faire le motif. Bon, imaginons que, voilà, le motif, c'est un motif de chevron. Il est comme ça. Eh bien, vous avez deux mailles au début et une seule maille à la fin qui encadre ce motif-là. Donc là, c'est la colonne 1, la colonne 2. Ok, je fais 1, 2. Après, le motif en tant que tel, c'est durant de la colonne 3 à la colonne 18. Et je recommence de la colonne 3 à la colonne 18. Et je recommence de la colonne 3 à la colonne 18. Et je recommence de la colonne 3 à la colonne 18 jusqu'à ce que j'arrive à une maille de la fin. Et cette maille-là, eh bien, c'est la maille de la colonne 19. D'accord ? Ok ? Est-ce que c'est très très clair ? Est-ce que vous n'allez pas me faire, vous n'allez pas me faire cette erreur de me tricoter un motif de 19 mailles ? Ça, vraiment, je veux que ça soit gravé dans les esprits parce que sinon, vous avez quand même beaucoup de mailles. Et puis, dépendamment de votre taille, vous pouvez en avoir vraiment beaucoup. Et vous ne voulez pas arriver à la fin du premier rang de la charte et vous rendre compte que ça ne fonctionne pas et qu'il va falloir tout détricoter. C'est très clair, parfait, ok. Ok, donc c'est bien clair, ok. Vraiment, vous plantez pas, sinon vous êtes bon pour tout défaire, ok. Ok, bon, alors, si ça c'est bon, on va donc maintenant... comprendre comment est-ce qu'on fait de la mosaïque. Et vous allez voir, comme je vous le disais, c'est tellement simple que vous allez adorer ça. La seule chose, et je reviens là-dessus, c'est la concentration. Personnellement, j'ai vraiment cette habitude de tricoter en faisant autre chose, bouquiner, écouter une série. Et il m'est arrivé plusieurs fois de devoir retourner en arrière parce que ben, j'avais fait attention. Ok, donc, on revient sur, hop là, on revient là-dessus, et vous allez voir, vous voyez le grand V qui est là, ça correspond à quoi ? Eh bien, les grands V, c'est des mailles glissées. Alors, pourquoi est-ce que sur, je vous ai dit, ça va être des rangs où je ne vais utiliser qu'une seule couleur ? Et vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, Céline, regarde, là, j'ai des couleurs, j'ai une couleur blanche qui apparaît alors que c'est un rang tout rouge. Oui. Soit, certes, vous avez raison, mais ce n'est pas parce qu'elle est tricotée, cette maille-là, c'est parce qu'elle est glissée. Elle est glissée et cette maille glissée, elle est du rang d'en dessous qui était blanc. Donc, ça fait que cette maille devient blanche. Les mailles glissées seront toujours, toujours glissées comme pour tricoter à l'envers. Alors, je vais mimiquer sur ma petite démo le rang 1, d'accord ? J'ai pas autant de mailles, mais voilà. On commence le rang 1 avec la couleur contrastante. Donc, dans la charte, la couleur contrastante, c'est les petites cases les plus foncées.
D'accord? La couleur contrastante, c'est les couleurs, c'est les cases foncées. Et la couleur principale, c'est les cases claires. Pas bien compliqué, comme je vous le disais. Donc, je commence par la case numéro 1. Donc, ma couleur contrastante dans ma petite démo, eh bien, c'est le vert. Hop. Donc, je commence par la case numéro 1. Attends, hop, viens là, toi. J'ai fait juste un petit nœud pour... Je ne me suis pas embêtée, hein, j'ai juste fait un petit nœud pour joindre ma couleur. Et ça s'arrête là, on rentrera les fils. Quand on fera les finitions, il n'y a pas de choses plus compliquées que ça. Juste un petit nœud pour commencer. Allez, on y va. Je fais donc la première maille. Je suis en jersey, je suis sur l'endroit quand je commence. Donc, je vais tricoter à l'endroit. Donc, première maille à l'endroit, c'est... La première maille de symétrie, la maille de la colonne 2, c'est encore une maille de symétrie. Et là, on me dit glisser là. Ok, très bien, je glisse. Donc, je glisse comme pour tricoter à l'envers. Donc, je prends ma maille comme pour tricoter à l'envers et je la glisse. C'est tout. Et maintenant, je répète le motif qui est 3 mailles en droit. Voilà. 3 mailles en droit et une maille glissée. Et ça continue comme ça, 3 mailles en droit, une maille glissée, jusqu'à ce que j'arrive à une maille de la fin qui sera une maille normale. Moi, je n'ai pas autant de mailles parce que ça allait être un petit peu ennuyant sinon pour vous. Donc, on va terminer, voilà, le rang un peu comme ça. Et vous voyez bien que les mailles glissées, en effet, elles sont dans... la couleur principale. C'est pour ça que sur votre charte, vous vous retrouvez avec des mailles ou en blanc ou en noir, dépendamment de là où vous êtes rendu. Maintenant, je vais me rendre sur l'envers. Et sur l'envers, c'est chouette, vous n'avez plus à vous concentrer et à lire la charte, puisque vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors, là, je suis sur la partie où je travaille avec la couleur contrastante et les mailles qui ont été glissées sur l'endroit seront aussi glissées sur l'envers. Donc, toutes les mailles blanches, je n'ai pas à m'embêter, je les glisse comme à l'envers aussi. Voilà, je n'ai pas à m'embêter. Ici, c'est le rang de la couleur contrastante. Donc, je le tricote à l'envers puisque je suis à l'envers. Hop. Voilà. Je suis maintenant... face à une maille glissée, je la reconnais facilement, on est d'accord, puisqu'elle est de couleur contrastante. Je n'ai qu'à la glisser, je ne fais rien d'autre. Donc, les rangs en vert, c'est des rangs qui sont très très faciles à faire, puisque je n'ai qu'à me laisser porter par le motif qui est déjà installé. C'est les rangs en droit qui vous demanderont de bien faire attention à votre charte. Je glisse, je tricote. Voilà. Donc, ça va être à chaque fois deux rangs dans la couleur contrastante et après ça, deux rangs dans la couleur principale. Donc là, j'ai terminé les deux premiers rangs. Je continue avec maintenant, puisque j'ai fait les deux rangs dans la couleur contrastante, je continue, je suis au rang 3 avec la couleur principale. Je commence, je suis là et cette fois-ci, donc je prends ma couleur principale. Le rang 3, ça commence par 4 mailles à l'endroit. 1, 2, donc, 3, 4, et là, je vais glisser une maille. Donc là, je me retrouve cette fois-ci avec des mailles glissées de la couleur contrastante, et je continue comme ça. Une. Donc, le motif est différent. Glisse et tricote. Voilà. Et donc, sur ce rang-là, les mailles glissées apparaissent dans la couleur contrastante. Et sur l'envers, comme je vous avais dit, c'est vraiment très très simple. Je me laisse vraiment porter par le motif. Je suis dans la couleur principale, donc je tricote toutes les mailles de ma couleur principale et je glisse les mailles de ma couleur contrastante. Vous allez me dire, mais c'est trop facile. Oui, c'est vraiment trop facile. Encore une fois, le seul petit pépin peut être la concentration. Et on sait bien que
celle-ci est quelque chose qui peut être un petit peu difficile selon les moments de la journée. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais vous donner maintenant des petits trucs. Donc regardez bien, vous voyez, c'est ainsi que je me retrouve avec deux couleurs par rang, mais au lieu de jouer avec le jacquard, avec des mailles, des flottes, donc des fils allongés, etc., je fais juste glisser les mailles et c'est ainsi que ma couleur se retrouve sur le rang d'au-dessus. Donc vraiment, vraiment très simple. Comment est-ce que je peux faire pour éviter de faire des erreurs, surtout sachant que je peux me retrouver avec, je vais me retrouver avec vraiment beaucoup de mailles, hein. C'est un cardigan qui est commencé avec les deux demi-devants et le dos. Donc on a quand même un sacré paquet de mailles et il suffit que tout d'un coup on nous ait fait « Hey chérie, est-ce que le roast beef est prêt ?» Enfin bref, je ne sais pas où. « Est-ce que tu sais où sont les enfants ? Est-ce que le repas est prêt ?» Ça c'est la phrase préférée de mes adolescents. « Maman, quand est-ce qu'on mange ?» Ou « Maman, qu'est-ce qu'on mange ?» Ça commence par « Maman, qu'est-ce qu'on mange quand on rentre à la maison ?» Et quand le repas s'approche, c'est « Maman, quand est-ce qu'on mange ?» Voilà, et là, vous êtes en train de tricoter et pouf, vous avez évidemment, vous savez plus où vous en êtes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va utiliser, comme si on faisait de la dentelle, on va utiliser nos fameux anneaux repères. Voilà, des anneaux repères. Alors, qu'importe, ils peuvent être comme vous le voulez, ces anneaux repères-là. Ça, c'est le premier qui me tombe sous la main. Je ne sais pas où sont passés les autres. Bon, vous prenez des anneaux repères comme vous les aimez et vous allez les placer. Vous allez les placer. Hop là. Vous allez les placer au début et à la fin du motif, d'accord ? Donc, je fais les deux premières mailles de symétrie. Je place un anneau repère. Je fais de la colonne 3 à la colonne 18, je place un anneau repère et là je recommence, à la colonne 3, je place un anneau repère, 3 à 18, 3 à 18, bref, vous placez des anneaux repères de chaque côté de ces 15 mailles de motif, ce qui fait que si on vous interrompt, eh bien ça va être beaucoup plus facile de savoir où est-ce que vous en êtes rendu dans votre motif, puisqu'il vous suffira de vous fier à votre anneau repère et de savoir, ok, je suis au début ou à la fin de mon motif. Donc, franchement, je vous le conseille, ça peut être très très mélangeant d'arriver à savoir où est-ce qu'on en est rendu dans le motif. Donc, utiliser des anneaux repères, c'est vraiment vraiment pratique, surtout que c'est quand même des gros motifs, ils font 15 mailles, donc vous n'aurez pas non plus besoin de 50 anneaux repères, hein. On n'est pas sur un châle on n'est pas sur un châle. Donc, je vous conseille vraiment de placer des anneaux repères au début et à la fin des 15 mailles de motif. Cela va vous permettre d'avoir plus de repères visuels pour faire votre charte, d'accord ? Pink Lady qui a un truc avec les adolescents. Quand j'aurai fini mon rang, en attendant, tu peux peler les patates. Oui, exactement. Est-ce que l'on a 42 rangs de chartes à faire au total ? Oui, exactement, c'est tout à fait ça, d'accord ? On va donc, une charte fait un total de 8 rangs, nous devons le répéter 5 fois, donc 5 fois 8, 40, et on doit terminer par juste le premier et le deuxième rang, donc 42 au total, exactement, nous devons faire un total de 42 rangs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela ? Ou est-ce que vous venez de faire genre « Oh mon Dieu, mais c'est trop facile la mosaïque !» Je vais juste vous montrer, si j'arrive à tomber dessus tout de suite. Allez-y, vous pouvez m'écrire, hein. Mais il y a des châles en mosaïque, j'en avais déjà fait un, que je pourrais pas vous montrer parce que malheureusement, il y a quelqu'un qui nous l'a volé. Et oui, et ça c'est sûrement pas des tricoteuses. Quand des gens arrivent et nous volent des châles, on se dit toujours, cette personne-là n'a aucune idée de ce que cela représente. Voilà, alors, je vous présente le Study Hall Shawl.
Voilà, ça c'est un patron que j'avais tricoté, j'avais eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc il est entièrement en mosaïque. C'est un patron qui est gratuit sur knitty.com. Je vais vous écrire si jamais vous tombez en amour avec la mosaïque et que vous voulez avoir un effet bœuf. Vraiment, c'est un super super petit patron de châle. Donc il s'appelle le Study Hall Shawl. Donc, shawl, bravo Céline. Excusez-moi. Hein, il n'y a évidemment pas de... Voilà, shawl. On n'a rien vu. Study Hall Shawl de Sarah Shira. Voilà, c'est un patron gratuit de châle en mosaïque. Donc, comme vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. La mosaïque, c'est deux rangs par couleur, deux rangs de la couleur principale, deux rangs de la couleur contrastante. Et simplement, en venant glisser la maille du rang d'en dessous, eh bien, on balade cette nouvelle couleur-là à travers le rang. Oui, c'est trop facile, vraiment. Je vais revenir sur le fait que la mosaïque, sa seule difficulté, c'est vraiment de la concentration, de bien répéter le motif. Et c'est pour ça que je vous encourage fortement à mettre des anneaux repères pour savoir où vous en êtes dans le motif. Mais à part ça, c'est juste de la maille glissée. As-tu des modèles de pull ou de gilet en mosaïque? Car je sens que je vais adorer. Alors, non. Écoute, là comme ça, non, mais écoute, si tu vas sur Ravelry, là je t'ai montré parce que moi j'avais fait le châle et j'avais vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé. Mais là comme ça, ah mais si, excuse-moi Bergy, attends, je vais voir si je mets la main dessus. J'étais tombée en amour avec un modèle de pull que j'avais vu au premier festival d'Édimbourg, fait par Isolda, Isegel. Et j'avais acheté le livre. Et attends, je vais juste voir parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Et est-ce que je peux te le retrouver là, on the fly? Est-ce que je peux te le retrouver? Écoute, je suis désolée, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Mais attends, je peux, parce qu'il était vraiment très beau, c'était un pull pour homme. Et alors, c'était très amusant parce que c'était inspiré par les bouches d'égout. Alors, tu vas me dire, wow, sympathique comme inspiration. Mais je pense que c'était genre les bouches d'égout du Danemark ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'était absolument magnifique. À l'époque, je voulais le faire pour le petit copain de l'époque. Et voilà, je pense que oui. Malheureusement, il ne ressemblait pas du tout à la photo. Attends, je vais essayer de mettre l'image en plus grand. Mais... Non. Attends, hein, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Pouf, paf. Regarde. Donc, ça... Ça, c'est un pull qui est entièrement en mosaïque. Entièrement, entièrement en mosaïque. Il est absolument magnifique. Donc, sur le coup, c'est vrai que ça a l'air effrayant. On a l'impression que c'est un jacquard d'une complexité folle. Mais en fait, c'est uniquement de la mosaïque. Donc, c'est bien plus facile que ce que l'on pourrait penser. Et c'est le Dexcel. Je vais, s'il y en a qui sont intéressés, qui ont envie de vraiment gâter leur moitié... Attention, comme on dit, hein, y a un mojo qui dit « Never knit a sweater before the ring ». En français, ne jamais tricoter un pull avant la bague. Enfin, bref. Oups. Voilà, donc le modèle que je viens de montrer, c'est le Dexcel Number One par Marianne Isegel. Et franchement, là, je vous montre une photo, mais en vrai de vrai, il était
magnifique ce pull. C'était un très 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 beau, très 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 beau patron. Voilà. Oui, c'est facile, Bergy, c'est vraiment facile. La mosaïque, comme je vous l'ai dit, ce n'est que de glisser des mailles. Donc, on a deux rangs de couleurs contrastantes, deux rangs de couleurs principales. Et tu crées ton motif simplement en glissant des mailles. Je vais vous montrer dans les carrés de couverture. Hop, oups, dans les carrés de couverture de notre cours qui est gratuit, hein, Initiation au tricot. Nous avons quelques carrés que nous faisons en mosaïque et qui font un effet bœuf, voilà. Juste pour vous montrer, voilà. Alors, je vais le mettre comme ça. Donc ça, c'est le carré des briques ivres. Donc tout ça, c'est uniquement de la mosaïque. On peut simplement créer un motif en amenant les mailles comme ça. Et puis là, si tu veux, il y a en plus de la texture parce qu'on s'amuse à tricoter les mailles en droit ou en vert pour renforcer l'idée de motif, de texture. Mais c'est uniquement des mailles glissées sur une base de jersey ou en jouant avec du point mousse. Là, c'est pareil. Donc un petit motif de chaîne, c'est uniquement de la mosaïque. Et c'est juste des mailles glissées qui sont tricotées en droit ou en vert après. Et ça va vous donner cet effet-là. C'est vraiment, vraiment très, très facile. De la concentration, et c'est tout. Nancy dit le Lisa Haynes, le Afternoon in Lisbon. Attends. Je vais voir si... Ouh. Marie-Josée qui dit c'est vraiment beau la mosaïque, franchement j'adore. Ben écoute, pour ceux qui ont du mal avec le jacquard ou simplement qui ont pas de mal mais qui l'aiment pas, c'est vraiment un très très... Oh, Afternoon in Lisbon, attendez, je vais vous montrer ça. Merci Nancy, c'est absolument magnifique. Alors, je monte pas tout de suite le top, je monte déjà l'écharpe. Regardez ça. Donc ça ressemble un peu aux azuleros, aux petites mosaïques. C'est vrai que c'est franchement magnifique. Donc, Afternoon in Lisbon de Lisa Haynes. Donc, ça a l'air compliqué. Et encore une fois, cela ne l'est pas. C'est uniquement des mailles glissées. Et puis, je vais vous montrer le petit top de la même designer. Vraiment intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Regardez. Hop. Là, le petit détail simplement sur la manche, vraiment adorable. Merci Nancy vraiment, vraiment très joli. Donc voilà, est-ce que j'ai mis mon projet de châle dans Ravelry? Non, j'ai pas eu le temps de mettre mon projet de châle dans Ravelry, comme je t'ai dit, on se l'est fait voler. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que nous pouvons tricoter en rond? Bien sûr, Catherine, cela ne changera rien. Tu peux tricoter de la mosaïque en rond. Hein? Cela ne change rien. Tu vas simplement glisser tes mailles sur l'endroit. Non, au contraire, c'est même plus facile puisque tu n'es que sur des rangs en droit. Donc la mosaïque se tricote aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Et puis, mon Dieu. Voilà, allez, on finit de se rincer l'œil. En fait, je ne pensais pas que ça serait autant mosaïque, mais j'adore cette technique, donc je suis ravie de pouvoir plonger un peu plus. Mais si vous prenez le magnifique livre 2 de Treasury of Knitting Patterns, donc les plus complets, je trouve, livre de points fait par Barbara Walker, eh bien, il y a une énorme partie qui est uniquement sur la mosaïque. Là, vous retrouvez le sliding bricks, donc celui que je vous ai montré dans les carrés de couverture. Mais voilà, mosaic patterns. Et vous voyez, on retrouve tout ce que l'on peut faire simplement en glissant des mailles. Il y a un côté, je ne sais pas si vous le... Tiens, regardez, ça vous dit rien, ça? Hein? Vous dites maintenant, tiens, on sait d'où est-ce qu'elle a été prendre sa... D'où est-ce qu'elle a été prendre son inspiration, Sierra? Elle a été prendre son inspiration pour le caïm ici, voilà. Mais c'est normal, je veux dire, ça fait partie, ce livre-là est dans les bibliothèques de tous les designers. Donc tout ça,
tout ça, c'est uniquement de la mosaïque. Ça a vraiment un effet hypnotique, hein, c'est... Voilà, hop, un très très beau, c'est très intéressant la mosaïque pour cet effet qui mélange texture et couleur. Et là on dirait un jeu vidéo. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément, mais énormément de possibilités. Regardez ça, ça fait 13 années 30, j'adore. Il y a énormément de possibilités. Donc ça s'arrête là pour ce livre-là. Il y en a d'autres encore. Mais il y a énormément de possibilités avec la mosaïque. Vraiment. Voilà. Et bon, la seule chose, c'est qu'évidemment, mais on ne peut pas avoir plus de deux couleurs. Mais déjà, rien qu'avec deux couleurs, les possibilités sont infinies. Mais Nancy, là, moi, c'est l'écharpe que tu viens de nous montrer, la Lisbonne in Afternoon, je ne sais plus ce que j'avais dit, mais c'est super beau. Franchement, ça me donne très, très envie avec un beau petit, pour faire un peu comme des azuleros, ça, un beau petit bleu de faïence avec un petit crème, ce serait super beau. Quand tu vois un patron, comment fais-tu pour savoir si c'est de la mosaïque ou du jacquard? Ben, c'est pas toujours facile quand c'est en photo, donc je lis la description du patron. Non, je t'avoue que Marie-Josée, c'est pas toujours facile de le voir. Donc voilà. Bon, ben écoute, si pour certaines personnes, c'était la première fois que vous découvriez la technique de la mosaïque, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Est-ce que ça vous plaît alors la mosaïque? Ah, Nancy dit « Lisa Haynes a plein de châles en mosaïque ». Ah, tu viens de me créer des besoins, Nancy, je ne peux pas. Déjà, pour ma valise à Bali, tu sais, c'est vraiment la grosse angoisse. Qu'est-ce que j'amène? Je sais que j'amène le Summer Art, je sais que j'amène le Ola Sweater, j'amène de quoi faire 3 paires de chaussettes, mais ouf. Oh, bon, ben écoutez. Oui, Madeleine, c'est vraiment tellement facile, la mosaïque. Vraiment, vraiment. Bon, ben alors, on va se quitter là-dessus. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Ah, aurais-tu un bouquin bien complet avec des points et des diagrammes à recommander? J'en ai un, mais bof. Alors, Bergie, je t'avoue que si j'ai un bouquin de points complet à recommander... Est-ce que j'ai le premier sous la main? Voilà, ok. Donc, A Treasury of Knitting Patterns, c'est 4 livres, d'accord? Donc, t'imagines l'anthologie de pointes de tricot que ça représente, hein, c'est 4 bouquins. Les 3 premiers sont les plus importants. Le 4e, il y a un petit peu de redite. C'est un livre qui a été fait, je pense, dans les années 70, qui est très, très complet. Vous voyez, là, c'est le livre numéro 1. Puis, il y a encore des points de mosaïque. Donc, on ne s'arrête pas. Il y en a toujours, toujours. Donc, si j'ai à recommander, ça va définitivement être les Treasury of Knitting Patterns de Barbara Walker aux éditions Schoolhouse Press. Voilà, si tu veux vraiment, au moins les 3 premiers, c'est le plus important. Ils sont uniquement en anglais, ils ne sont pas en français. Et comme ils datent un peu, il n'y a pas de charte. Donc malheureusement, si tu veux, ça vient, c'est écrit. Donc quand je vais chercher un patron comme ça, je fais la charte à partir de l'écrit. Parce que personnellement, je ne travaille jamais avec de l'écrit. Je dois toujours faire mes chartes. J'adore le numéro 1, notamment pour tout ce qui est dentelle. Mais vous allez avoir de tout, de la dentelle, de la torsade, de la maille glissée, de la mosaïque. Ça ne s'arrête pas, c'est gigantesque. C'est des anthologies, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Tu vois là, dans un livre comme ça, il y a 500 patrons et il y a de tout. Knit pearl, ribbings, t'as vraiment de tout. C'est vraiment les livres les plus complets que tu puisses avoir. Et c'est quand on demande qu'est-ce que je devrais avoir si vraiment je ne devais investir que dans un seul livre de points, c'est aucune hésitation.
c'est les Treasury of Knitting Patterns. C'est les plus complets, mais encore une fois, il n'y a pas de charte. Oui, tu as raison, Hélène, dans le Festival of Stitches de Lisa Haynes, on avait aussi de la mosaïque. Donc, où est-ce qu'on se rend pour la semaine prochaine? Eh bien, on fait les 42 rangs de la charte pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, eh bien, on va voir le corps et le façonnage du corps. Dans le patron, pour lever, ça dit « Slip one pearlwise with yarn to wrong side with specified color ». Que veut dire « with yarn to wrong side » ? Ok, très très simple. Quand on te dit ça, ça veut dire que quand tu vas glisser ton fil, eh bien, tu le glisses en ayant le fil du côté envers. Ce qui est logique, tu ne veux pas que le fil apparaisse sur l'endroit. Donc, alors, je reprends. Où est-ce qu'il s'est barré ? Hop ! C'est une excellente question, mais regarde. Quand tu vas glisser tes mailles, hop, voilà. Je suis rendue à la couleur contrastante, voilà. Voilà, quand je suis sur l'endroit, je dois glisser ma maille avec le fil sur l'envers du tricot, enfin du côté envers, d'accord ? Mon fil, quand je vais glisser ma maille, oups, mon fil, quand je vais glisser ma maille, il ne faut pas qu'il soit devant. Sinon, quand je glisse ma maille et que je le remets derrière pour tricoter en jersey, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il barre ma maille. Surtout pas, on ne veut absolument pas ça. Donc, ton fil, il va toujours rester sur l'envers de ton tricot. D'accord? Il reste toujours de ce côté-là. Il ne vient jamais devant ton tricot. Et quand je suis en maille envers, eh bien, mon fil reste aussi du côté envers, ici, de mon tricot. D'accord? Il reste de ce côté-là. Il ne passe pas, il ne vient pas ici, sinon il va barrer mes mailles. Donc, simplement, quand tu glisses tes mailles, ton fil est toujours derrière ton tricot. Ça veut simplement dire ça. Oui, Dulce, je suis d'accord avec toi, c'est uniquement en anglais. Ça serait vraiment extraordinaire si quelqu'un reprenait cette extraordinaire anthologie, hein, ça fait 2000 points pratiquement, le traduisait en français, mais surtout pour moi, me faisait des chartes. Ça serait à mon avis un gros hit. S'il y en a qui ont envie de parler avec Schoolhouse Press et bonifier cet héritage de Barbara Walker, go on. Oui, je suis d'accord avec toi, Anne, le problème c'est de faire venir ces livres. Je sais qu'il y en a des fois sur Amazon. Mais ça pèse lourd, ça coûte cher. C'est un bon investissement par contre. Carmen, j'aime beaucoup la mosaïque. Oh, cool. Bon. Salut Evelyne, bonjour de France à toi. Bonjour du Québec, excuse-moi. Ok, donc, est-ce que tout est beau pour vous? Un petit projet, ben oui, bien sûr, un petit projet, la traduction d'une anthologie complète de tricot avec ses chartes. Écoute, ça pourrait être un projet de retraite par contre. Ou un projet de... Oui, bon, bref. Aller méditer dans une grotte avec mon ordinateur. Il faudra juste qu'il y ait le Wi-Fi dans la grotte. Et je me fais la traduction. Voilà, ça pourrait être un bon projet. Allez, sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une très très agréable fin de journée. Et... Ben j'espère que je vais vous voir à mon marathon de tricot. J'ai quelques petites idées pour le rendre un peu funky. Et c'est ça. Et à la semaine prochaine. Bye bye.